encore une expérience Uber. Cette fois-ci, on est transfert vers Hard Rock Hotel, Universal Studios, pour la deuxième partie. Ah oui, t'as même la taille de... Ouais, tu vois, t'as... Ouais, on passe ça après. Attends, moi j'ai la taille de plus. Et on a la vue sur la piscine. Ouais, vue sur la piscine et coucher de soleil en même temps. Génial. Deux grands lits. Bon, cette fois-ci, avec les ados, il va falloir qu'on fasse avec, mais c'est une belle grande chambre. Nous sommes ici dans les couloirs du Hard Rock Hotel. Et alors, je voudrais un peu avoir votre ressenti sur la chambre. Mais écoute, c'est très bien, c'est très beau, c'est grand, beaucoup plus grand qu'à Disney à Paris. Mm-hmm. Mais voilà, moi, c'est pas trop l'univers, mais c'est quand même génial. Ouais, toi t'es pas la plus maline, mais t'as vite cerné l'ambiance générale. Voilà, et pour toi? Et moi, c'est l'entrée, qui est déjà l'entrée de l'hôtel, qui est magnifique. Mm-hmm. On voit qu'on est dans une classe. Ouais, c'est un premier. La chambre est super belle. Mm-hmm. Je sais que maintenant, je fais la taille de Beyoncé. Oui, c'est vrai, il y a un miroir avec la taille des artistes. Ouais. Et maintenant, évidemment, on est un petit peu moins... C'est bon, on est un petit peu moins près des piscines et tout, mais bon, voilà, on pourra que s'y faire. Et toi, Noah, ressenti au niveau de la chambre? Elle est jolie. D'accord, c'est tout. Donc on est en Orlando toujours, on est au Hard Rock Hotel et on va aller prendre le Water Taxi. Donc c'est les taxis sur l'eau. Pour aller à City Walk manger au Chocolate Emporium. Ok. Ok, on est dans le Water Taxi. Water Taxi, à plus. Water Taxi. Et toi, Noah, ça te va? Oui. On va à City Walk. Bienvenue à City Walk à Universal Studios. Ouais, confort. Allez, on va aller manger là-bas au Chocolate Emporium. Voilà, on a réservé là. Et c'est parti. City Walk, Universal Studio, Orlando, Floride. Et on va aller manger à un des restaurants les plus prisés de City Walk. On a réussi à avoir une réservation, c'est quand même grandiose.
ça s'appelle le Chocolate Emporium. Steampunk. Alors j'ai beaucoup aimé Disney, hein. Disney Springs, tous les parcs et tout, mais j'ai l'impression quand même que Universal va beaucoup plus me plaire à moi en tout cas. Les enfants sont sous choc en fait par rapport à ce qu'ils viennent de voir, Yasmina aussi. Et donc voilà, donc ici on est à City Walk, donc c'est l'équivalent de Disney Springs ou Disney Village si vous voulez à Paris. Mais voilà. Il n'y a pas de mots, il faut le vivre, il faut y aller pour le croire. Mais c'est génial. Peu importe où on pose les yeux, il y a quelque chose à voir en fait. Hein, vraiment. Donc c'est vraiment chouette. Et ici on va manger et puis on va aller à Walmart. Le soir. Ouais, les magasins sont ouverts jusqu'à 23h. On doit racheter une valise. Ah ouais, on a plus de place. Et en plus, les boissons sont en free refill, tu vois. Donc c'est toutes les boissons, on peut en boire autant qu'on veut. Santé, santé. Ok. Mon cœur, soupe à l'oignon. Pour toi, c'est un burger Tour de France. Ok. Pour toi, c'est le gros bâtard, non? C'est le burger... Cordon bleu. Cordon bleu. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est simple, un burger cheese, bacon. Et les verres à volonté. Bon appétit. Ok, donc ici on est toujours au Chocolate Emporium et voici nos milkshakes. Alors là, les cookies et cappuccino. Espresso. Espresso, voilà. Et alors la petite mousse au chocolat pour Nora qui a bien fait de ne pas prendre trop gros. Donc on va se partager tout ça. Ressenti après le Chocolate Emporium. J'ai plus faim. T'as plus faim? Bien bouffé? Oui. Très chouette. Mon cœur? Chocolate Emporium, ressenti? Trop bon. Le tout, le repas, le service, la soupe, tout. La soupe, comme j'ai expliqué. Oui, le repas, bon. Ah ouais, très très bon, franchement, nickel. Et toi, ma puce? Incroyable, super, faut vraiment essayer. Alors, c'est au moins en tout cas faire une fois dans sa vie. Chocolate Emporium. Petite balade nocturne à City Walk. Génial. Et demain, on va aller faire ça. Pour ceux qui connaissent la série Better Call Saul, vous avez la ref. Ben voilà, fin de cette journée. Par une petite balade nocturne à City Walk. Cependant, on y reviendra puisqu'on a réservé Big Fire pour après-demain et on fera une balade plus approfondie. Bonne nuit tout le monde, on retourne à l'hôtel et peut-être piscine.